Je sais pour toi. Je suis pas bien. Je bougeais de partout sur ma chaise, mais ça me faisait rien. Oh putain. Oh, il va ouvrir le mien, il va ouvrir le mien avec la chance que j'ai. Il va tuer le prisonnier dans le doute. Et là, t'as le prisonnier, il a pris celui de droite. Le gros Alors déjà, quelle idée de rouler de nuit comme ça? Quelle idée de rouler comme ça de nuit vers un... Mante massive. Ah, j'ai trouvé un petit hôtel. Ah, oh là là, qui est sur Ibis apparemment. Pas très cher. Et puis pas très cher, hein. Ça m'a coûté 25 euros la nuit pour un 3 étoiles, dis donc, je me suis dit... Ma femme, elle m'a dit, tu trouves pas que ça pue un peu la merde? Je lui ai dit, bah, penses-tu? Oh. 17 septembre 2013. 2 102 71 07 56 mutmail.com Miles.gmail.com Objet tuyau. Activité liquide chez Murkoff Psychiatric System. Vous ne me connaissez pas? Il faut que je fasse vite. Il surveille peut-être. J'ai fait une mission de 2 semaines en tant que consultant logiciel sur un site de Murkoff, Psychiatric System, à Mount Massive. J'ai signé une série d'accords de confidentialité que je suis en train de violer en ce moment, mais franchement, ils peuvent aller se faire foutre. Il se passe des choses terribles là-bas. Je n'y comprends rien, je n'arrive pas à croire à la moitié des trucs que j'ai vus là-bas. Les Toubibs parlent d'une thérapie onirique qui allait trop loin, de la découverte de quelque chose qui les attendait dans la montagne. Des gens souffrent et Murkoff s'en met plein les poches. Oh. Il faut dévoiler ça au public. Oh. Fermé. Fermé. Alors par contre, j'ai une façon de marcher. Attends, parce que... Je fais rien. Faut qu'on s'arrange quand on bouge parce que... Vas-y, à toi. Hein. Je te laisse le début. Je pense qu'il faut passer par ici, ouais. Là. Là. Tu m'entends? Là-dedans. Pas là. Non, mais... non, non. Eh hey mec, tu sais que ça se trouve, on va faire les cons comme ça, à zoomer comme des bolos, et d'un seul coup, il va y avoir un truc devant nous, on va rien comprendre. Oh. Finalement, entre nous, je pense que le suicide est encore possible, ça, tu sais. C'est encore possible. Je crois que ce sera moins pire que... Bon, bah, écoute. Quand il faut y aller, il faut y aller, hein. Alors, on va mener notre enquête à partir de maintenant. Je pense que soit quelqu'un a eu très fortement ses règles. Hein, ce qui est possible, hein, regarde. La personne cherchait des tampons et puis c'est parti en couille. Ou, regarde, au début, regarde. C'est possible, hein. Le mec qui filme, regardez-moi tout ce sang. Ah, oh mec, j'en souviens plus, putain. Oh putain, c'est ma main. Je vois Dieu en apôtre. Je vois que la Fox a annulé la saison 4 de Lucifer. Il souffle beaucoup trop, notre bonhomme. Oh là. Ah, lui, par contre, bouge pas. Bah, oh, il peut plus. Avec son moignon. En bas. Non, non, je crois qu'il faut aller en bas. Bah, techniquement, c'est écrit exit. Moi, je sortirais quand même. Ouais, j'aime pas ce... c'est à ce passage-là que j'ai arrêté, moi. Bah, tu sais que c'est à ce passage-là aussi que j'ai arrêté. Elle se passe ce passage-là, là où faut courir, j'aime pas du tout. Hein. Moi non plus. Non, c'est pas là, c'est ça. Juste après, je crois qu'il faut... Je pense qu'il faut que t'ailles là où c'est écrit exit. Enfin, je pense. C'est par là. Mmh. Oh là là, j'étais en train de boire. Putain, je me suis fait mal. Oh là. Ah, pardon. Witness. Bon. Oh, mais décidément, qu'est-ce qui se passe? C'est un membre acheté, un membre offert chez eux? Comment ça se passe? Je vois rien. Ah, j'ai vu un truc passer à travers. Ah, j'aime pas du tout. Eh oh, fais pas croire qu'il va aller sous le pieu. Oh, oh putain. Il est parti au ciel. Oh putain. Mec, là il va ouvrir plusieurs casiers, je le sens. Il va pas l'éteindre quand même. S'il a un gros flash sur sa gueule. Oh,
trop stressé. C'était bien Overcooked. Ouais, franchement, ouais. Moi, j'aimais bien couper des oignons. C'était plus sympa. T'appuies et tu te casses derrière toi. Derrière toi. Là, là, là. Vite, 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 vite. Ah là, la faille, la faille, la faille. Ah putain. La porte. Remonte. Ah. Attends, je vais le faire pour toi. Ah. Ah. Tu t'enlèves la main, tu te poses. Alors, est-ce qu'on... Ah, je croyais que c'était une vraie croix que j'aurais pu prendre, tu vois. Ah, arme du Seigneur, recule. Ah, putain. Oh la... Recule, casse-toi, fou quand t'entends. Oh, me regarde pas, t'as compris. Ok, ok. Mec, je ne m'en souviens plus, c'est horrible. Eh ben alors, comme ça on s'amuse, et ben on passe une bonne soirée, c'est super, évidemment. Des poules. Mais par contre, ça aussi, c'est... Y'a du monde. J'ai envie d'aller aux toilettes. Oh mais non, j'ai plus. J'en ai marre. Oh. Ça doit pas être pratique pour manger, monsieur. Pas, je pense qu'elle n'utilise pas la caméra, parce que sinon là ça utilise. Bah je vois rien. Bah si, là tu vois, non. Bah là je vois que dalle là-bas. Ouais, mais c'est pas grave. Bon, là, ok. Là, d'accord. Ils ont arrêté la saison 4. Ils avaient pas le droit. Ah. Ah, je panique. Je sais pour toi. Je suis pas bien. Je bougeais de partout sur ma chaise, mais ça me dit rien. Oh putain. Oh, il va ouvrir le mien avec la chance que j'ai. Il va tuer le prisonnier dans le doute. Et là t'as le prisonnier, il a pris celui de droite. Le gros bâtard. C'est trop stressant. Et pour ceux du coup qui se demandent comment on fait maintenant pour jouer les deux sur un jeu qui est censé être en solo justement comme Outlast, en fait on utilise Parsec tout simplement, et vu que maintenant j'ai la fibre en fait, et ben Réchaff peut se connecter en fait sur mon ordinateur grâce à Parsec et peut jouer avec moi. De toute façon, quand il faut y aller, faut y aller. J'ai le contrôle. Y'a quelqu'un derrière moi là? Saute! J'étais en train de contrôler aussi avec toi. C'est vrai? Ah. Oui, oui. Genre, tu lâches, t'inquiète pas, je pense que je continue. Ok. Vite! Ah! Oh là là, attends, il va venir, il vient ou pas, ou c'est oui, encore super scripté. Vas-y, je me casse. C'est quoi ce bruit, il est monté dans le conduit ou quoi? Quel côté c'est... Non, putain, je panique. Attends, je sais plus par quel côté regarder. Ah, c'est par là. Ok. Hein? Je me suis trompé de côté. Oh putain! Oh là là, la panique, ça me fait faire des conneries! Non! Quoi? C'est pas par là? Ah si, je crois. En fait, Oh! Ah bah voilà, on est sorti! Bah voilà, vous êtes échappés! Et je pense qu'on a, ouais, on a fait 1h08, hein, sans déconner. Hein. Ça, oui. Donc je pense, tu vois, on a quand même, à deux, on est capable de surpasser. Hein, parce que moi, dans mon ancien épisode d'Outlast, qui doit dater d'il y a au moins 2-3 ans,
Sans mentir, ma vidéo doit faire 20 minutes. J'ai dû faire les 20 premières minutes du jeu, et après j'ai arrêté tellement j'ai pas eu le courage de faire la suite. Donc voilà, du coup, attendez, les commentaires, c'est vraiment que la vidéo... Il est ouais, tellement oppressant le jeu, genre... T'as vu ? Moi aussi, en j'ai fait, fait c'est que la 20 minutes, hein, genre... Ouais, c'est... ouais, ça fait tout. C'est ça, la bande-son du jeu, genre, le mec, tu sais, le coup du gars qui revient, qui ouvre le casier, tu sais pas quel casier va ouvrir, et je trouve aussi la vision nocturne. Ça te... Le fait de couper la lumière comme ça, parce que franchement, tu mets le même jeu, mais avec full lumière, tu flippes déjà moins. Et du coup, ce stress avec les piles et tout, c'est vraiment stressant. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, justement, si vous avez déjà fait Outlast, et ce que vous en avez pensé. Du coup, on vous fait de gros bisous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner aux réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat. De toute façon, tout est listé dans la barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.